Unité 5. L'eau et la vie. Oral 2. Ordonnée. Reda. Tu sais, papa, aujourd'hui la maîtresse nous a parlé de l'eau. Elle nous a dit qu'il faut respecter l'eau, car elle est très précieuse. Le papa. Elle a raison. L'eau, c'est la vie. Reda. Mais tu sais, il y a des personnes qui jettent des saletés dans les rivières et les mers. Ce n'est pas bien. Ces saletés tuent les poissons. Le papa. Oui, c'est vrai. L'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. Ils peuvent même mourir. Reda. Les plantes et les cultures aussi souffrent à cause de la pollution de l'eau? Le papa. Oui, on peut avoir de mauvaises cultures à cause de ça. Et même la famine. Reda. Alors il ne faut pas faire comme ces personnes. Respectons la nature et protégeons l'eau. Donc, les questions viennent de la page 146. Et là, j'observe et je repère les indices. J'observe maintenant. Les indices. On a ordonné, il y a amoro. Qu'est-ce qui salit l'eau potable? Mais le lit ou le séro, le mer, sale le chorbe. L'eau potable, potable ou mer, sale le chorbe. Et bien, on a dit que je m'en disais souvent, puis on a dit que je vois que je vois que je m'en disais sur le mer, ou qu'il y a sur le tenir, on l'a dit. ماء متسخ اذا كان ماء ديال يدخل الى الانهار النهر او في البحر ثم كتلاحظوا ان هاد الحيوانات هنا في الصوره الثالثه جاي تشرب هاد الماء وماء متسخ وعندنا واحد المعمل هنا فيه مجموعة من السباغات ونلاحظ أن الماء متسخ أيضا إذن عند جو ريبون أو كيسيون هاد الأسئلة غنحاولو نجاوبو عليها نبداو بهاد السؤال الأول جو ريبون أو كيسيون إذن أجيب عن الأسئلة لو كبوا لو غارسون إي بوطابل بوركوا إذن الماء الذي يشربه الطفل صالح للشرب ماء اي بوطابل بوكوا لماذا شنو اللي كيبين ان هذا الماء صالح للشرب اذا لو اي بوطابل باسكو كون بو لا بوار لاننا يمكن شربه باسكو لي بروبر لانه ماء نظيف باسكو كول دو روبيني لأنه يخرج من الصنبور. Regarde, deuxième question. Qu'est-ce qui rend l'eau si sale? ما الذي يوسخ الماء؟ لاحظ. أو ما الذي يلوث الماء؟ إذن, la pollution, تلوث. Les déchets qu'on jette dans les rivières. الأزبال التي نرميها أو الأزبال والقادرات التي نرميها في هذه الأنهار dans le lac et les mers إذا نرميها في الأنهار وفي الوديان وفي البحار donc je répète la pollution les déchets qu'on jette dans les rivières dans les lacs les lacs et les mers Troisième question, qui jette les saletés et les ordures dans les rivières? Qui jette من الذي يرمي الزبال في الأنهار والوديان؟ إذن الإنسان من طبيعة الحال c'est l'homme. Qui peut boire cette eau des images 2, 3 et 4? Pourquoi? من الذي يمكن له شرب هذا الماء اللي في هذه الصورة الثانية والصورة الثالثة
كتلاحظوا فيها حيوانات تريد أن تشرب الماء. وفي الصورة الرابعة ماء متسخ من كثرة الصباغة. إذن ما الذي يمكن شربه؟ الذي يمكن له أن يشرب هذا الماء؟ لا أحد بطبيعة الحال. إذن بيرسون لا أحد بيرسون سي أون لا بوا إذا شربنا أون طومب مالاد. إذن سنسقط مريض سنصبح مريض مرضى. إذن بيرسون سي أون لا بوا أون طومب مالاد. عندنا جيكوت و جو ريبون aux questions. إذن اسمع j'écoute et je réponds aux questions. و أجيب عن الأسئلة. وقبل أن نجيب عن هذه الأسئلة نسمع le dialogue. إذن Reda, tu sais papa, aujourd'hui la maîtresse nous a parlé de l'eau. Elle nous a dit qu'il faut respecter l'eau car elle est très précieuse. إذن Tu sais, papa, aujourd'hui la maîtresse nous a parlé de l'eau. اليوم الأستاذة تكلمت لنا على الماء. Elle nous a dit, قالت لنا, qu'il faut respecter l'eau. يجب احترام الماء. Car elle est très précieuse. لأنه مهم ولأنه نادر. لأنه ثمين, précieuse. Le papa, l'Eb, elle a raison. L'eau, c'est la vie. Il est un tahak. Elle a raison, un tahak. L'eau, c'est la vie. Il m'a oué l'hayat. Reda, mais tu sais, il y a des personnes qui jettent des saletés dans les rivières et les mers. ولكن هل تعرف tu sais il y a des personnes هناك أشخاص qui jettent يرمون les saletés الأزبال والأوساخ dans les rivières في الوديان والأنهار et والبحار et les mers والبحار. Ce n'est pas bien, ماشي مزيان. Ces saletés tuent les poissons. هاد الأوساخ تقتل الأسماك. Le papa. Oui, c'est vrai. نعم صحيح. L'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. إذن الماء سال الماء المتسخ يمكن أن يتسبب في أمراض دي مالادي غراب أوز يومان للإنسان وأوز أنيمو وللحيوانات. إل بيف ميم مورير يمكن أن تموت. ريدا Les plantes et les cultures aussi souffrent à cause de la pollution de l'eau. Les plantes nabatates et les cultures wazerat aussi souffrent aidan tuani min hada talwut à cause de la pollution tuani min talwut de l'eau. La pollution de l'eau talwut al-ma'. Les plantes et les cultures aussi souffrent à cause de la pollution de l'eau. Le papa. Oui, on peut avoir de mauvaises cultures à cause de ça. Naam, on peut avoir yumkinulana en yakunadina de mauvaises cultures iden filaha. في غير صحيحة غير صحية à cause de ça بسبب هذا أي بسبب هذا التلوث et même la famine
Et même la famille, il y a le majeur. Ou aïdan le majeur. Donc, il y a un indana le majeur. Reda, alors, il ne faut pas faire comme ces personnes. Idem. Alors, là, il ne faut pas faire, comme ces personnes, respectant la nature. لنحمي الطبيعة وprotégeant l'eau ولنحمي الماء. Je répète. Reda, tu sais papa, aujourd'hui la maîtresse nous a parlé de l'eau. Elle nous a dit qu'il faut respecter l'eau car elle est très précieuse. Le papa, elle a raison. L'eau, c'est la vie. Reda, mais tu sais, il y a des personnes qui jettent des saletés dans les rivières et les mers. Ce n'est pas bien. Ces saletés tuent les poissons. Le papa, oui, c'est vrai. L'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. Ils peuvent même mourir. Reda, les plantes et les cultures aussi souffrent à cause de la pollution de l'eau. Le papa. Oui, on peut avoir de mauvaises cultures à cause de ça. Et même la famille. Reda. Alors, il ne faut pas faire comme ces personnes. Respectons la nature et protégeons l'eau. إذن نأتيل أن نجيب عن الأسئلة ديال شي كوت جو ريبون إذن أن سمعنا النص نص الحوار نجيب عن الأسئلة إذن السؤال الأول كي بارل أكي من الذي يتكلم ومع من أن لو بابا رضا بارل أسون بابا إذن رضا أسون بابا De quoi parle-t-il? Un médecin que le monde de l'importance de l'eau. Il y a un ahemmiyat l'ma. De l'importance de l'eau. Soit-il, que conseille la maîtresse à ses élèves? Pourquoi? Il y a un médecin la sahat l'oussed à tel amidah ou l'imala. La maîtresse conseille de respecter l'eau. Il y a un sahat bihtiram l'ma. Car elle est très précieuse. Elle est très précieuse. L'innahu tamin. Quatrième question. Que peut provoquer l'eau sale? Regardons. L'eau sale, ici, il y a des poissons qui sont morts. Donc, l'eau sale peut tuer les poissons. Tuer les poissons. Donc, l'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. Peut provoquer des maladies fi amrad khatira graves aux humains, lil insan wal hayawanat et aux animaux. Ils peuvent même mourir. Yumkinu lahum an tamut. Yumkinu لهذه الحيوانات وليمكن الإنسان أن يموت بحال عندنا في الصورة. Que conseille l'enfant? إذن بماذا نصح الطفل؟ ردا conseille de ne pas faire comme ces personnes qui salissent l'eau. إذن ردا نصح بأن لا نعمل مثل هؤلاء الناس الذين يوسخون والذين يلوثون الماء. Il nous conseille de respecter la nature et protéger l'eau. إذن نصحنا باحترام الماء, احترام الطبيعة, respecter la nature et protéger l'eau وحماية الماء.
Donc, Safa Mouadia, Miazo Albin, j'observe pour prendre la parole. Iden Nolahid, l'Ahdi, ou l'Ahid ou l'Ahd al-Kalima. Ou l'Ahid Fiadi Sora, Andina Tabia, l'Ma ou Yijil Finnar, l'Ma. Donc, l'eau est propre, je vois la nature, l'herbe, la nature verte, verte, elle est propre, sur le ténia, je vois l'eau qui est sale, l'eau qui est sale dans la rivière, je vois l'eau qui est sale, je vois à cause il y a des déchets dans la rivière. Je vois des poubelles, la poubelle, des belles. Je vois aussi هاد الطائرة بقال اللي كتاكل هاد الأزبال دونك بو ريكوموندي إذن لإعطاء أوامر ممكن أستعملها هذه الكلمات جو تو ريكوموند إذن Je te recommande, mais Ansahok, Amorok, Amorok, Amoroka. Je te conseille, mais Ansahok, Ansahok, il faut Yejibo, il ne faut pas les Yejibo. On doit Yejibo Alina, Yejibo Alina, on ne doit pas les Yejibo Alina. Protège, Nahmi, protège, Tahmi ou Tahmi, ça c'est le verbe protéger, conjugué à la troisième personne, Kangulo, il protège l'eau, il protège l'eau, il protège la nature, Yahmi al-Tabia, ou Kin, protégeant, le verbe, ça le fait, protégeant les Nahmi. الماء protégeant l'eau عندك ne salis pas لا توسخ إذن تتكلم مع المفرد le verbe salir ne salissez pas لا توسخوا الماء إذن نتكلموا مع الجماعة respect respect يحترم respectant لنحترم Respecter la nature. Ihtarimu at-tabi'a. Hna adna le verbe respecter. Hna mi kangoul al-mudari' kangoulo il respecte. Il respecte la nature. Ihtarimu at-tabi'a. Ou kangoul al-amr kangoul respectant. Respectant li ihtarim at-tabi'a. Respectant la nature. Ou hna tkellem ma'a. Deuxième personne du pluriel, respectez ihtaribou at-tabi'a. Ne faites pas mal aux animaux. Met ediwch al-haywanat. Ne faites pas mal aux animaux, ni aux plantes, wala lin-nabatat. Ou met ediwch al-nabatat. Il faut interdire, yajibu men'u. Il faut interdire.